Bonjour à tous et à toutes, c'est NicoBel87 et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Rayman que j'ai noté 8,5 sur 10. Vous allez découvrir tout ça, pourquoi je l'ai noté 8,5 sur 10. Tout simplement parce que ce jeu est fabuleux, graphiquement rien à dire. Les mobs, bon, rien à dire non plus. Et vous allez voir, l'histoire est une histoire totalement nouvelle. Non, je déconne. Mais c'est vrai que ça change, on retourne au 2D, ce qui change vraiment le jeu. Alors là, vous voyez, là j'étais en pleine partie lorsque j'ai commencé à faire la vidéo. Alors ça, normalement, je vais le quitter. Voilà, alors là, c'est la carte du monde. Alors le jeu n'est pas terminé, hein. Il me reste encore 1, 2, 3, 3 mondes à faire. Vous voyez, c'est les points d'interrogation. Et en fait, là, on a différents biomes, en quelque sorte, qui vont nous permettre de découvrir plusieurs endroits. Alors là, vous voyez, il y a l'arbre. Au milieu, c'est là où on choisit son costume. Moi, je vais prendre le petit, là. J'oublie totalement comment il s'appelle. Vous voyez, il y en a un peu partout. Et vous voyez, quand même, graphiquement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est beau, quoi. C'est fluide, ça rame pas. Et hop. Regardez, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, je vais utiliser celui-ci. C'était la deuxième fois que je jouais avec. En fait, si j'aurais su, j'aurais pas fait, parce que j'ai pas arrêté de mourir durant le test. Alors je l'ai laissé parce que, pour vous dire quand même, le jeu, il est quand même bien, bien tordu. On va dire ça comme ça, il est réellement tordu des fois. Et regardez. Là, je vais commencer par là où j'en étais. Et vous allez voir, il y a des comptes et tout, c'est assez bizarre. Il y a à peu près 60 levels dans le jeu, qui sont pas du tout courts, hein. Vous voyez là en haut, vous avez pour 150 petits sourires là, vous pouvez prendre le coffre. Et en fait, en terminant ce level, il va m'en manquer 5 pour pouvoir faire le boss. Et en fait, j'ai pas du tout eu le courage de continuer, quoi. Là, vous voyez, c'est le chargement, et pendant le chargement, on peut faire n'importe quoi, c'est marrant. Hop là. Chargement terminé. Hop, on commence. Alors, je testais un peu les attaques qu'il avait. Voilà. Et c'est vraiment pas mal. Alors, graphiquement, vous voyez, on peut faire du wall jump. On a un mini parachute en quelque sorte. Et là, c'est le style de serpent qui va nous amener jusqu'à destination. Vous voyez, les ennemis là, par exemple, eux là, les poissons, ce sont des ennemis qui ne bougeront jamais. C'est qu'en fait, ils sont là pour piquer, c'est pour nous déstabiliser. Vous voyez là, il y a un endroit secret qui va nous permettre de dévoiler une cage avec des mobs à tuer. Là, pour le moment, c'est des oiseaux. En fait, on va les tuer. Et ça va délivrer la boule, en fait, qui renferme les petits bonhommes. Chaque fois, je connais pas du tout leur nom. Et hop, et là, voilà, d'une pierre de deux coups. Et il y en a un de plus. Vous voyez, ça en libère plein, ils sont contents. Ce système existe depuis le premier Rayman sur PS1. C'est pas révolutionnaire. Ça existe depuis le premier Rayman. Bon, bien sûr, c'était totalement différent. Je vous ferai une vidéo dessus si je retrouve le jeu. Ouais, faut bien que je le retrouve. Alors là, hop, on continue exactement pareil. Le serpent qui va aussi vite, même un peu plus lentement de temps en temps. En fait, là, vous voyez, si on reste trop longtemps sur les nuages vont tomber. Et là, j'ai commencé vraiment à galérer. Vous voyez, parce qu'en fait, le perso, il glisse. Et c'est vraiment chiant. Là, je crois que je vais mourir à cause d'un truc complètement bête. Ouais, je crois que je vais essayer de récupérer le passage secret en bas là. Vous voyez, et hop, le gros bug qui tue tout. C'est vraiment énervant. Alors, je vais tout recommencer. Et ça va vraiment... Je vais pas arrêter de mourir après. Et je vais pas m'énerver, je vais rigoler, parce qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui est complètement idiot. Hop, alors là, on le refait. Là, j'ai vraiment pris mes assurances pour le passer sans mourir, parce que j'avais essayé avec Rayman, mais
à chaque fois que j'arrivais sur les oiseaux, je me faisais tuer. Or, c'est même pas la peine. Là, c'est reparti. Je crois que c'est ici où je vais... je vais perdre un peu la tête. Hop. Alors là, on passe tranquillement. C'est peut-être un peu plus loin. Je ne m'en souviens plus du tout, sans vous mentir. Hop, on saute. Ah, c'est un tout petit peu plus loin. Et là, les petits oiseaux qui sont sur le fil pour faire de la musique, quoi. Hop, là, on arrive là. Et là, en fait... Non, c'est même pas là encore. Oh là là. Là, ici. Alors là, je me suis fait avoir, mais comme un bleu, quoi. Vous voyez, c'est complètement sadique, quoi. C'est vrai qu'il fallait savoir quand même qu'il fallait attendre pour pouvoir y aller. Tout comme ici, je vais me faire avoir aussi, normalement. Ouais. Ah non. Hop. Alors vous voyez, quand on récupère les gros looms avec une couronne, ça déverrouille... Ça fait apparaître, tous les looms jaunes deviennent rouges. Ça fait un multiplicateur x2. C'est beaucoup utile pour avoir le score à la fin, qui nous permettra d'avoir d'autres petits sourires pour pouvoir avoir ce qu'il nous faut. Hop. Alors là, exactement pareil, on continue. Alors là, j'ai vraiment eu chaud en faisant ce que j'ai fait. Là, je crois que je vais pas réussir à l'avoir. Ah, si. Vous voyez, mais regardez comme là. Vous voyez, c'est qu'il faut tout connaître par cœur. Regardez comme là, j'avais pas vu. Bah, foutu. Le jeu, c'est du par cœur au par cœur. C'est un peu dommage, ça. Je sais même pas quel Peggy c'est dessus. Ça doit être un Peggy 3 ou un Peggy 7. Je ne sais absolument pas. Mais c'est vraiment pour vous dire que c'est sadique, quoi. Ils sont méchants dans ce jeu. Hop. Et là, en fait, j'essayais d'appuyer sur le bouton croyant que ça allait déverrouiller un truc, mais même pas, en fait. Hop. Et là, trop de chance. Hop, là, voilà. Fallait absolument rebondir sur le tam-tam, là, le tambour. On l'appelle comme on veut. Pour pouvoir passer. Vous voyez, c'est strict. Il faut avoir surtout une patience d'ange pour passer certains moments. Certains moments, ils sont super, super durs à passer. C'est... Faut pas être Chuck Norris non plus, mais... c'est vraiment dur, certains passages. Hein. Et comme là, je l'ai fait complètement à côté. Et là, je me suis fait avoir encore une fois comme un bleu. Et je suis mort. Parce que là, il fallait savoir que c'était pas comme ça. Et c'est pour ça qu'en coop, il n'y a pas de multijoueur. Hein. Il y a du coop, mais en LAN, avec deux manettes, dans la même maison. Et c'est largement plus simple de faire comme ça. Parce que là, dès qu'on perd notre cœur, vous voyez que j'ai un cœur là. Dès qu'on le perd, si on se fait toucher une seule fois, on est mort. Ça sert plus à rien de... Faut surtout se méfier de tout. Et c'est vraiment la rage là quand on meurt comme ça. Et comme là, je me suis refait avoir. Et là, on peut sentir l'énervement qui monte dans son corps là, et qui dit non. Et au bout d'un moment, bon, bien sûr, je vais réussir, mais faudra y aller. Et vous voyez que quand même, graphiquement, bon, certes, faut être, il est très strict le jeu, mais graphiquement, y a rien à dire. Vous voyez, ça fait bien bonne dessinée. Et c'est pas du tout moche, hein, quand même. Et même les musiques sont pas du tout moches. C'est à appliquer. C'est vraiment appliqué. Bon, c'est vrai que c'est surtout fait pour un public... comment dire, pas très mature. Parce que, vous voyez, il n'y a pas du sang partout. C'est pas pour les pros de Call of ou autre chose comme ça. Mais c'est pour vous détendre et pour vous énerver quand vous êtes trop détendu, je vous le conseille. C'est vraiment bien, ça. Vous voyez, ce que à la fois il est dur, mais à la fois il est pas dur. Ça dépend totalement des phases.
Là, je vais vous faire voir les phases les plus basiques où on fait que sauter et tout. Mais il y a des phases bien plus compliquées que ça. Il y a la phase du moustique, peut-être que dans cette vidéo elle sera disponible. Je ne sais absolument pas. On va bien voir ça. Non. Alors là, vous voyez, là il y a mon score qui est à gauche qui remplit la jauge. Et plus la jauge grandit, plus. Vous voyez, là, j'ai même pas le petit premier smiley. Dommage. Et en fait, le but c'est d'avoir tout à fond. Sans compter, quand on refait les niveaux, on a un petit tablier et il faut terminer le niveau avant le temps imparti. Et là, ça devient vraiment dur. Vous voyez, alors là, il fallait que je refasse un truc, mais je n'avais pas le courage. Je savais pas lequel refaire. Alors j'ai refait les premiers levels. Normalement, si je me trompe pas, là je regardais un peu ce que j'avais à faire. J'ai dû refaire le deuxième level en trouvant la première cage là. Vous allez voir ici, voilà. Je crois que ouais, j'avais un doute de savoir qui j'allais faire. Vous voyez là, hop, vous voyez les petits papillons qui s'envolent et qui reviennent. C'est toujours beau. Hein. Et là, vous avez un tout autre monde avec un plan en flou, tout à l'avant qui rend super bien. Et là, vous avez le chapeau. Et normalement, le chapeau, il contient un magicien. Dans le premier Rayman, ça contient un magicien. Qui, ce magicien, normalement, doit vous donner des missions à faire dans un temps imparti. Ils l'ont pas mis. Pourquoi, je ne sais pas. C'est un peu dommage. C'était toujours marrant dans le premier Rayman d'avoir ça. Mais ils l'ont pas fait. Pourquoi, on ne saura jamais. Alors là, je vais me batailler comme intéressant sur ce level. Vous voyez les animations, c'est super bien fait quand même. Hein. Là, vous voyez les petites pinces dans l'eau. C'est les démons, vous voyez, comme là la porte elle est bloquée par un démon en quelque sorte. Et en fait ça vous attrape et ça vous enfonce dans l'eau. Alors pas très cool hein. Et on meurt directement. Là je sais pas pourquoi je restais là, peut-être parce que je croyais avoir vu un truc. Vous voyez, la direction artistique du jeu a fait du bon boulot quand même. Hein. Vraiment du bon boulot. Je sais absolument pas ce que je voulais faire ici à ce moment précis. Peut-être regarder derrière parce que j'étais super attentif, mais apparemment non. Là, on récupère tous les looms. Et je crois que c'est... Ouais, c'est ici où j'ai entendu le cri. Vous voyez, ces mains. Ah, elles sont chiantes. Hop là. Et est-ce qu'elles vous attrapent automatiquement? Et là, j'ai découvert le petit... La première cage qui manquait. Vous voyez, là si on veut, on peut rester là. Et ça peut rester des heures comme ça sans le taper. C'est vraiment pénible. Hop. Là, vous entendez la petite musique. Et voilà, ils sont sauvés. Et tout le monde est content. Vous voyez, là, j'ai pas eu de chance parce que, vous voyez, ça m'a attrapé. Tout ça parce que j'ai mal géré mon saut. Et là, je croyais que, avec un peu de chance, on pouvait retourner en arrière, mais on ne pouvait pas non plus. Malheureusement. Et hop, l'eau est super puissante. Vous voyez quand même, l'arrière-plan est super bien géré, parce que à la fois ça cache, et à la fois ça ne cache pas. C'est super bien fait, vous voyez, il y a même le reflet dans l'eau derrière. Et là c'est pareil, là ça commence à m'énerver. Parce que voilà, on arrive, on donne des coups, mais ça les touche pas. Hop. Là comme là, je m'étais pas du tout fait à l'idée que ça m'écraserait. Après j'ai
Je vais essayer en redescendant, en restant ici, voir si ça allait se rouvrir. Et bah, toutes mes surprises, non. Malheureusement, ça s'est pas rouvert. Et j'ai eu un peu la rage. Sur le coup, j'ai vraiment eu la rage. Là, vous voyez là, ça fait une style de hache ou je sais pas quoi, un marteau. Et tout ça, c'est fait pour vous écraser, quoi. C'est pour vous faire perdre. On voit bien que c'est les premiers levels. Celui-ci, par exemple, est super simple. Vous allez voir si vous avez le jeu ou si vous comptez l'acheter. Les autres seront 100 000 fois plus durs. Ça, c'est une partie de plaisir. À mon avis, les gens qui l'ont déjà me comprennent. C'est fort possible, ils doivent me comprendre. Faut vraiment être attentif. Et pour le chrono, aller super vite. Sans la rapidité, en fait, ça sert à rien d'essayer de faire le chrono. Faut connaître les cartes par cœur. Et là, j'ai tout eu du premier coup. Là, j'ai tracé comme un taré. Hop. Alors là, Lian ici. Je termine. Et là, on arrive à la fin du level. Vous voyez, là, c'est les ennemis de base. Hein. C'est vraiment pour dire que c'est facile. Vous avez juste à venir ici et attendre qu'il passe. Là, j'étais un peu en retard. Alors, je me suis récupéré quelques looms en passant. Voilà, hop. Le tarté, je remonte en haut. Et la caisse est transparente parce que je l'ai déjà prise. Et ça, c'est la classe. Ça, c'est trop la classe. Bon, et voilà. En tout cas, le jeu, il est super bien. Graphiquement, rien à dire. L'histoire, faut suivre, mais rien à dire non plus. Et difficulté, trop élevée. Elle est trop élevée, la difficulté. Le seul reproche, trop difficile. Si vous voulez mettre votre enfant de 9 ans, voire 10 dessus, qui débute à peine dans les jeux vidéo, mettez-lui un autre jeu de PS1. Foutez-lui vraiment le premier Rayman sur PS1. Ne lui mettez pas lui. Et là, on va se terminer sur un écran noir. Parce que j'ai terminé mon contrat. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Allez, ciao tout le monde.